c'était le Panthéon, qui est un bâtiment de style néoclassique situé dans le 5e arrondissement de Paris, qui est aussi appelé le quartier latin. Il a été construit entre 1757 et 1790 et devait, de base, être une église qui allait abriter le corps de Sainte-Geneviève. Mais depuis la Révolution française de 1789, le Panthéon est un lieu de mémoire, autrement appelé une nécropole. Beaucoup de personnages très importants de l'histoire française y sont enterrés. Tout d'abord des écrivains comme Victor Hugo et Émile Zola. Il y a aussi des hommes et des femmes d'État très importants comme André Malraux ou Simone Veil. Des physiciens comme Pierre et Marie Curie qui ont par ailleurs gagné le prix Nobel de 1903 grâce à leurs recherches sur la radiation. Le nom du Panthéon vient bien évidemment du Panthéon de Rome qui a été pour sa part construit au 1er siècle à Rome.